Salut. What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec Lady. Salut tout le monde. Et aujourd'hui on voulait tester en fait ensemble, voir un petit peu pour faire les coffres, donc la carte au trésor, les coffres qu'on peut acheter chez Cade. Donc vous pouvez acheter des petites maps chez Cade et certains disent que ça paye, d'autres disent que ça paye pas. Donc on voulait essayer ça tous les deux ensemble. Alors je pense par contre toi t'es pas assez riche. Ça va, déjà tu me parles pas comme ça. Je crois qu'il lui manque ouais, un coffre. J'ai pu en acheter 4 en fait sur les 5. Ok, il lui manque un coffre du coup, mais c'est pas grave, on va les faire. Donc on ça est cette semaine sur Titan, on va faire le premier là, au niveau du pont. Par là, je crois. Ouais, par la gauche, je crois, là-bas. Allez, let's go. On va voir un petit peu ce qu'on peut obtenir. Il y a Yoshi qui me disait qu'il avait eu de l'exo, lui, dedans. Et c'est le seul, après, hein, qu'on a eu. Que je connais. Bah, ouais, parce que moi, j'ai jamais eu d'exo là-dedans. J'ai jamais... En vrai, je l'ai fait une seule semaine, j'ai jamais rien eu. Du coup, je le refaisais pas, mais... Apparemment, il y a des gens qui lootent. Moi, j'ai eu des coffres vides, carrément. Avec rien dedans. Ah, je crois il est là. Bon bah ça va, nickel. Ouais, je l'ai vu direct. Alors, premier coffre. J'ai eu un gant. Oh, engramme exotique. Ah bah ça va. Ah ouais. C'était plutôt bien. 291. J'ai eu un gant en... Alors je suis 302 et le gant est 292. C'est génial. Je sens que j'y vais adorer. On va continuer. Ah, ça commence bien pour moi. Franchement, un petit exotique du coup. On va aller à la plateforme. Moi j'en ai un à la plateforme, je crois que c'est celui que t'as pas. Vas-y, je te suis. Je te suis à celui de la plateforme, puis après on descendra en dessous. Ouais. Hop là. Il est à combien l'exo que t'as looté? 2,91 et je suis 2,93. Mais 2,91 sans le mode, je pense, donc il va être à 2,80 un peu plus haut, quoi. Ouais. Je peux le tuer, lui. Alors. Hop. Il y a un coffre ici, si tu veux prendre le butin. Vas-y, ouais, je prendrai au cas où, ça me fera un peu d'argent. Argent, monsieur. Hop. Alors, à mon avis, il doit être par là. Moi, je l'ai pas sur la carte, celui-là, donc je vois rien. Ouais, attends, il faut voir ma carte. Je crois qu'il doit être par là, à mon avis. Et par là. Oh, bah, il est juste un peu plus devant moi. Ah, bah, il est là. C'est bon, je l'ai. Ok, alors là j'ai eu que du bleu, un casque, une arme énergétique. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Que du bleu? Ouais, que du bleu. C'est pas ouf en. Un mode et un casque. Une arme et un casque. Ok. Ok, là on peut aller faire l'autre du coup, qui doit être à peu près en face de moi là-bas. Alors faut qu'on prenne le pont. Faut prendre le pont, il est juste à droite. À gauche, je crois, faut prendre à gauche là-bas après le pont. Hop. Il va falloir qu'on passe par l'intérieur à mon avis. Moi je suis, hein. J'ai zéro sens de l'orientation, ma man. ouais, on va passer par l'intérieur à mon avis. Ah bah il est là. Yeah. Alors. J'ai eu un emblème. J'ai eu un vieux casque encore. J'ai eu un emblème dégueulasse. Ok, ça paye pas beaucoup. Hein. Bah non, mais sérieux. Et j'ai eu quoi? Un bras encore. Et pour l'autre en vrai on peut se re-TP et puis on va se déplacer vers le solarium. Je vais re-TP à la plateforme. Vas-y, un revolver 293. Tac. Alors je crois, il me semble que les cartes trésors, on peut les faire que sur un perso par semaine, c'est ça, non? Oui, un perso par semaine et c'est une map par semaine. Et pour le moment, à chaque fois, les maps qui sont tombées, c'est les maps de la poudrière. Ouais, d'accord, en fait, on peut faire tout en même temps, quoi. Tiens, on va passer par là, pense. Non? Par là-bas, ouais. Ouais. Je sais pas, je suis partie vers la gauche, moi, mais... Là, du coup, on peut vraiment tout farmer en même temps, en fait, poudrière et puis... Ouais, tu fais la poudrière, tu fais tes coffres en même temps, quoi. Sachant que... Ils ont monté les loots de la poudrière pour... Enfin, le taux de loot de l'événement public. On parle à droite, à mon avis. Ah bon? Plus à droite. Ah, oui, et moi j'ai eu... Matin, on a loupé un épic. On a validé l'épic, mais on a loupé le boss et on l'a eu à 27%. Quand même. Attends, on n'a pas pris du tout le bon chemin, le pont de l'autre côté en fait. Moi je te suis. Hein. Hop. Ah oui, il faut passer en dessous, c'est vrai. Hop, et là, alors attends, j'ai juste regardé à quel niveau il est de l'autre côté. Faut passer le pont, ça c'est sûr. Faut passer le pont, il y en a un à gauche et un à droite après, un peu plus loin à droite.
Il y en a un direct à gauche, un peu. Enfin, faut prendre à gauche dès qu'on rentre. Alors. Donc là, une fois qu'on est là, y en a un tout droit, un petit Il peu doit à en avoir gauche. un par là, là, ici, là. Ah, il y en a un là, je suis dessus. J'ai eu un. Tu sais ce que j'ai eu? Non. Un artichaut ascendant, le Non. bric-à-brac de Cade. Moi j'ai un emblème qui a l'air moche, mais vraiment Et un moche. éclaireur 293. C'est pas terrible, Un hein? éclaireur bleu? Ouais, bah depuis le début, j'ai que des trucs bleus ou Il n'y a des même pas emblèmes de moches ou légendaire des quoi. bric-à-brac moches. Hop. Et là, bon, là il faut qu'on retourne. Attends, solarium, peut-être qu'on passe par Il y l'intérieur a un ici, petit non? peu sur devant et à droite. Alors j'irai. Et si on passe par là et Faut qu'on peut passer aller dans à la droite porte. ou Ouais, à mon pas? avis, il faut aller là, à droite. Logiquement, on peut par là. Ah, c'est pas dit. Ah, il est là. Nickel. Alors, Yeah. pour l'instant, franchement, ça a pas payé beaucoup. C'est le dernier. Tu l'as ouvert? Ouais. Eh bien, j'ai rien. J'ai rien dedans. Putain, c'est la carotte ultime. Tu vois, on atteint le niveau de Ah, j'ai rien carotterie eu. phénoménal. Là, on est dans un taux de carotterie maximum. J'ai rien eu. Voilà, donc je me mets dans mon coffre et j'attends que ça passe. Du Parce coup, que attends, je j'ai te rien. propose, on va aller à la tour quand même, rendre à Kate, voir combien il nous donne. En fait, on a dépensé combien? Presque 25 000 lumens, un peu moins, pour les Pour coffres. gagner 3 engrammes bleus, un emblème moche et un bric-à-brac dégueulasse. Ah, c'est à toi de lancer la tour, je crois. Mais même l'engramme exotique, c'est pas. Enfin, voilà, c'est un engramme exotique, mais c'est pas cher payé hein, quand même pour 5 coffres. Non, mais c'est un niveau de carotte très élevé. Bon, là, on va voir un petit peu ce qu'on peut avoir quand même auprès de Kate et dans l'engramme. Je vais aller. Ouvrir tout ça. Et pour tout conclure de l'histoire, ça fait 3 semaines que je fais les coffres et 3 semaines que j'ai rien. T'as pas eu d'exotique en 3 semaines. Rien du tout. À chaque fois, j'ai du bleu et en tout, je suis à 4 coffres où j'ai rien dedans sur les 3 semaines. Mais vraiment rien, comme là. Ouais, c'est pauvre. Bah ouais, c'est un peu chaud. Ah, il y en a qui ont de la chance dedans, mais. Ouais, c'est aléatoire, quoi. Ouais, Dites-nous! c'est un peu trop aléatoire quand même. Dites-nous dans les commentaires si vous avez de la chance ou pas dans les coffres, si vous les faites ou pas, parce que du coup, à mon avis, il y en a, ils vont pas les faire. S'ils voient qu'il n'y a rien, ils vont pas les faire. Hop, du coup, alors on va commencer avec Kaïd, voir un petit peu si il nous rembourse un petit peu, parce qu'on a dépensé quand même quasiment 25 000, donner les jetons. Alors moi j'ai mon artichaut qui me ramène, eh ben 100 lumens. Ok, moi j'ai récupéré 600. 700 lumens. Ok, on a dépensé 25 000 lumens pour rien. Bon, j'allais ouvrir mon engramme exotique quand même pour vous montrer un petit peu ce que j'ai eu dedans. J'espère au moins avoir un item que j'ai jamais eu ou une arme que j'ai pas. Hop là. Oui, au moins ça pourrait compenser un petit peu pour toi, quoi. Et toi, t'as vraiment, en fait, que t'as eu que du bleu quoi. Ah, j'ai rien eu. Franchement, j'ai eu des gants qui sont pas intéressants par rapport à mon niveau de lumière. Donc j'ai eu trois items bleus, une arme, que des trucs en dessous de mon niveau de lumière. Donc franchement, pas intéressant. Un artichaut et un emblème. Parce que la semaine dernière, moi j'ai eu une arme de l'astre mort, je crois, mais c'était sur mon autre compte. Ah Donc. ouais? Non, là j'ai rien eu et les 2 semaines précédentes non plus. Ouais, j'ai eu le Borealis et je l'avais déjà, tu sais, le sniper là. Oui, je sais, ouais. Je l'avais déjà. Bon, il a 2,96 donc c'est pas mal. Mais je l'avais déjà. Je l'avais déjà Bon, du balancé. coup. On peut dire que ce petit test des cachettes de Caden n'est pas très concluant. Ah, franchement, c'est pas terrible. Alors, dites-nous, vous, dans l'espace des commentaires, si jamais vous les faites ou pas. Parce que je sais, à mon avis, il y a des gens qui doivent pas les faire. Peut-être qu'ils connaissent pas. Mais voilà, c'est un moyen d'avoir de l'exotique ou du légendaire. Mais vous voyez que c'est très rare. Et finalement, il faut quand même dépenser pas mal de lumens pour pas grand-chose finalement. En tout cas, voilà. Nous, franchement, pas top. Hein. Pas top cette semaine. Pas vraiment. Bah on attend vos retours dans les coms. Dites-nous quelle expérience vous avez par rapport au coffre de Cade. Parce que nous, franchement, c'est très négatif pour le moment. Et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes. Prenez soin de vous. Tchuss! Tchuss!